Écoutez, cette mobilisation, c'est qu'on s'est mobilisé lors des élections sur un programme qui avait ce qu'on souhaitait, l'abrogation de la retraite, la vie chère ici, l'augmentation du SMIC, le service public, les pensions. Et on a vu qu'il n'y a rien de ce qu'on a fait et ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, on se bat pour nos revendications et les salaires s'effondrent de plus en plus. Et ceux qui ont de l'argent viennent de plus en plus riches. Il faut que ça soit l'inverse, on partage un peu plus pour ceux qui travaillent. Et on est tombé dans le fatalisme. C'est la réalité où les gens se disent, de toute façon, on mobilise pas, ça ne change rien. Mais c'est faux. On s'est mobilisé, on a reculé sur l'UNEDIC, sur l'audiovisuel. Il y a beaucoup de victoires qu'on a gagnées, mais il faut qu'on ait bourré le crâne en disant que ça ne sert à rien. Non. Ben là, on commence et on va continuer lorsqu'on arrive à une grève générale. On va réussir. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Écoutez, Emmanuel Macron, pour moi, c'est plus un président parce qu'il ne représente plus grand-chose de toute façon. Mais il pense qu'il a réussi à casser. Ça va être compliqué à recoller, mais vous voyez aujourd'hui, dans le sud, on a plus de monde. Tout doucement, on va recommencer. Vous appelez les réunionnais à se mobiliser? Ah ben oui, et c'est la vie chère, ça nous concerne tous. D'ailleurs, quand on parle d'organisation des prix et des revenus, il faut juste me dire qu'on s'en a parlé de revenus. On parle que des prix. Au moment où les femmes qui sont la plupart du temps à mi-temps ou à temps partiel, ben, ils vont aller à la retraite à 70 ans, c'est ce qu'on attend. Donc il y a des injustices et si on ne se mobilise pas, on n'aura rien.